Et salut à toutes et à tous, et nous voici partis pour une vidéo un petit peu spéciale. En rien, je ne vais vous présenter ce jeu magnifique qui se présente sous vos yeux, qui est, j'ai trouvé le premier jeu qui m'a un petit peu passé sous la main et qui avait l'air sympa, auquel aussi j'ai déjà pu jouer par le passé, mais je ne suis pas là pour vous présenter un jeu, mais plutôt pour vous parler, en même temps que je vais jouer justement pour vous occuper les yeux, vous parler des nouveaux horaires en quelque sorte qu'il va y avoir pour... la saison d'automne. Mais bien sûr, moi et les saisons, merde, faut que j'appuie aussi sur espace. Pour la saison de printemps, jusque je dirais jusque début vacances d'été, enfin avant les vacances, parce qu'après quand il y aura les vacances, le rythme pourra encore changer. Mais saute bon sang, bonsoir. Je suis pas là pour m'exciter sur un jeu. Alors je sais pas si j'aurais pas dû plutôt enregistrer séparément, à part peut-être que ça vous fait marrer, mais en tout cas je vais quand même essayer de faire un truc assez court. Alors, pour les horaires, vu que je vais reprendre les cours dès lundi, alors enfin voilà, vous en foutez peut-être, mais ça a quand même changé un peu le rythme, je ne pourrais pas faire autant de vidéos, ce qui... Jusqu'à maintenant j'essaie de tenir un rythme de 2 vidéos par jour. Alors, 2 vidéos... Une vidéo tous les deux jours, voilà, je dois réfléchir en même temps et c'est vraiment pas simple, je dois vous l'avouer. Plus je fais de la merde, vous inquiétez pas, n'allez pas me critiquer s'il vous plaît, et ayez pitié de moi, ayez pitié de la merde que je suis en train de faire. Donc, 3 vidéos par semaine, une vidéo le lundi qui sera Paper Mario, une de mercredi qui sera Tomb Raider, une de vendredi qui sera Paper Mario. Alors s'il y a 2 vidéos de Paper Mario par semaine, c'est tout simplement parce que ça me prend moins de temps au montage et à tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus pratique, sachant que Tomb Raider, j'essaye de faire des petits montages par-ci par-là, si vous suivez la série, vous devez bien le voir, et ça me prend beaucoup de temps. Donc un épisode par semaine, ce sera déjà assez bien dur à gérer en quelque sorte. En sachant que c'est un rythme que j'espère tenir, je ne peux pas non plus vous promettre absolument que ce sera toujours le cas. Là, je suis au début, j'ai pas encore eu mes cours, j'aimerais vraiment tenir ce rythme, et je vais faire de mon mieux en tout cas pour le tenir. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment je vais fonctionner pour tourner, pour que vous compreniez un petit peu aussi pourquoi, enfin, certains détails que je vais vous expliquer. Je pense tourner de la manière suivante, le samedi, vu que c'est le week-end, je pense profiter d'une journée complète pour tourner les 3 épisodes à la suite. Donc ce que j'entends par 3 épisodes à la suite, ça veut dire tourner l'épisode de Tomb Raider et les 2 épisodes de Paper Mario. Tout le même jour, faire les montages, et après l'upload, ben, je me débrouillerai pour... je me ferai encore avoir, pour essayer d'équilibrer le tout, voilà, pour en tout cas que vous ayez un épisode de Paper Mario le lundi, un Tomb Raider le mercredi, et un autre de Paper Mario le vendredi, et ceci prend effet, bah, dès que vous verrez cette vidéo, désormais, ce sera le nouveau rythme que j'essaierai de tenir. Alors après, je ne garantis rien, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Ça c'est pour le rythme, je pense que je ferai peut-être un récapitulatif dans la description pour qu'on soit bien d'accord. Oh, il y a une vie avant. Vas-y, je veux la vie, ouais. Alors, ce qui risque de se passer aussi, c'est que je termine un des jeux avant l'autre. Je pense surtout à Tomb Raider que je risque très sûrement de terminer avant Paper Mario, même s'il y a plus de vidéos de Paper Mario, pour la simple bonne raison que Paper Mario, je pense que vous avez remarqué, c'est un jeu qui est très long. Alors, si ça arrive, ce qui se passera, il n'y aura pas un nouveau jeu. Je préfère d'abord terminer Paper Mario, et ensuite, quand j'aurai terminé ces 2 Let's Play, je ne reprendrai pas de Let's Play comme je l'ai fait pour l'heure. J'irai plutôt... Je préfère... Wow, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Ok, j'arrive encore à me croûter. Je préfère vraiment faire un seul Let's Play, surtout quand j'ai mes cours, pour pas trop m'embrouiller. Et comme ça, on est vraiment concentré ensemble sur un seul jeu, où je suis sûr de pouvoir tenir un rythme quand même plus convenable. Dirons-nous ! Je me crache. Et donc après, bah, de toute manière, le jeu qui remplacera le successeur en quelque sorte de Tomb Raider, niveau jeu récent, je l'ai, sans aucun souci, qui sera sûrement le prochain jeu aussi quand j'aurai terminé, donc Paper Mario. Et je vais pas vous le dire, hein, ça reste une surprise. Et c'est aussi là où je voulais en venir, c'est vous, si vous avez des propositions à faire de jeux vidéo, faut pas hésiter, il y a pas longtemps, des gens m'ont... Enfin, une personne a lancé « Ouais, tu pourrais faire Far Cry 3 !» Et après, il y en a plein qui ont suivi et qui ont dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, tu pourrais le faire, tu pourrais le faire !» Alors, bah, si d'autres ont envie que je le fasse, alors n'hésitez pas à le dire, hein, ça me poussera à le faire encore plus. Mais bon, ça n'empêchera pas que le prochain Let's Play, il est déjà décidé,
même si je le garde pour moi. Mais les plays suivants, je n'ai encore rien décidé du tout. Donc si vous avez des idées, et qui sait, peut-être Far Cry 3 sera aussi un prochain jeu. Après aussi, il faudra que je me débrouille pour l'acheter, mais bon, ça, c'est moi, c'est pas vous, hein, c'est moi qui gère à ce niveau-là, pendant que je suis en train de jouer comme une brêle. Alors par contre, si vous voulez me proposer des jeux, il y a 2-3 petites conditions à respecter, qui sont toutes bêtes, pour que je puisse les faire. C'est pas le problème, oh ouais, non, j'ai pas envie de les faire, c'est surtout que je puisse les faire. Si les jeux, je ne peux que les enregistrer sur mon ordinateur. Ça fait que je peux jouer à des jeux, bah les jeux PC déjà, hein, logique. Donc si vous savez qu'il y a des jeux récents qui sont à la fois sur les consoles de salon et sur les consoles sur l'ordi, alors il n'y a aucun souci, vous pouvez. Par contre, si le jeu c'est une exclue du genre PS4, PS3, Xbox, Xbox One, 360, tout ce que vous voulez, je ne pourrais pas faire le jeu. J'ai pas après le mat, de toute manière, j'ai pas le matos pour enregistrer directement sur les consoles. Et je veux rester sur ordi, c'est plus simple, je sais comment faire. Et ça a toujours bien marché, alors je préfère continuer ainsi. Sauf si vous me payez les consoles, vous me payez l'HDPVR, enfin... Wouh, je viens de faire le fou, j'ai fait la glissade de la roue, ouais, je sais même pas comment j'ai fait, mais bon, tout va bien, c'est logique. Et pour les jeux, alors, pour les jeux ordi, il n'y a aucun souci. Et pour les jeux consoles, vous pouvez jusqu'à la PS2, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la PS2, c'est-à-dire PS1... ouais, pour Sony, pour Nintendo, tout ce qui est en dessous de la Wii U, donc la Wii U je peux pas, mais la Wii je pourrais faire des jeux, après la GameCube, Nintendo 64, tout ce qui va en dessous. Pour l'Xbox par contre, il n'y a pas d'émulateur possible, alors laissez tomber, ça malheureusement je ne pourrais pas. Oh vas-y, je peux rouler sur les nuages, trop cool. Boum, encore mort, ouais, essayez de nouveau. Vas-y donc, c'est que je fais une de ces merdes. J'ai déjà fini ce jeu, fut un temps, mais bon, je sais qu'il est complètement délire, je réfléchis même pas, alors n'espérez pas avoir un scoring acceptable ou réussir. Et sinon, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ouais, j'ai bien résumé, je pense. Alors, petit rappel, pour le nouveau rythme, 3 épisodes par semaine, un lundi pour Paper Mario, un mercredi pour Tomb Raider, un Paper Mario pour vendredi. Ça fait que ce lundi, vous aurez, ça fera encore un Paper Mario, donc il y aura eu 2 Paper Mario de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Si un jeu se termine avant l'autre, bah, je continuerai l'autre, simplement. Si vous avez des jeux à me proposer, faites en sorte que ce soit sur des plateformes possibles, comme j'ai dit auparavant. Et je crois que ce sera tout. Oh oui, j'ai réussi. Oh oui, j'ai réussi. Niveau 2 sur 3, réussi. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aussi fait plaisir. Un petit jeu assez délire que je mettrai, dont je mettrai le lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite de mes Let's Play, les amis. Donc sur ça, ciao à toutes et à tous.